Il fut une époque où les parrains marseillais en remontraient à tout le monde. Où ils avaient suffisamment de puissance pour être, entre guillemets, des capots de capots. Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Ils font leurs affaires locales, parce qu'il faut bien vivre, mais ils sont plus des outils de contrôle, de logistique, de soutien, d'hébergement, de surveillance, à l'occasion desquels ils sont rémunérés, et probablement grassement rémunérés, que des gens complètement autonomes.